Bienvenue dans la suite de cette vidéo. On est de retour avec le blond sur la gravière là. C'est parti pour la nuit. Malheureusement il y a un gros mistral et à mon avis ça vient juste de se lever et c'est que le début. Alors on est venu surtout avec de la graine ce coup-ci. Là on est à amorçage 100% graine, un petit peu de farine. Je pêche à Tiger et avec quelques montages décollés et Malvin il est avec des pop-up et Tiger. Voilà. Du coup on croise les doigts pour la nuit. Première matinée qui commence pas mal. Ça change un peu. Des vrais poissons. Ça change des brèmes que tu fais. Jaloux. Non, franchement joli. Sacré départ. Hein. Franchement sacré joli. Départ. Un bien beau poissonné. Il a des belles couleurs. Hein. Il manque quelques nages avec quelques écailles juste. Genre 50. Plein d'écailles. On a gagné quelques écailles en 2 heures. En même temps c'est un poisson, ouais. C'est normal qu'il y ait des écailles. T'as 3 départs en 3 heures. La matinée commence pas trop mal. Des jolies petites écailles, ça fait plaisir. Hein. Ouais. C'est joli. La prochaine elle aura peut-être 7-8 écailles. Et 12 kilos de plus. Voilà. Et hop. Un splendide poissonné. Ouais. 14 h. C'est une poisson l'après-midi. C'est pas mal. Cinquième poisson. C'est pas trop mal. Bon bah après cette petite nuit avec cette petite miroir sympathique là. On aura passé une bonne matinée là. On est à notre cinquième poisson je crois. Malheureusement Malvin y rate 2-3 poissons. De décro une casse je crois. Et sinon ça va, ce petit amorçage uniquement à la graine, surtout du maïs, un tout petit peu de Tiger on a mis mais on n'en a pas beaucoup, alors ça a l'air quand même de porter ses fruits. Les poissons ils doivent être tellement habitués à avoir des bouillettes ici que quand on leur pose un peu de graines devant le nez ils s'y jettent littéralement dessus. En tout cas juste dans la matinée là Malvin il aura eu 5 départs je crois. Moi j'en aurais eu 2, pas trop mal. Là j'ai décalé une canne, je suis allé la mettre à 200 mètres sur une petite pente bien dure. On va voir ce que ça peut donner. Et ma troisième canne elle est posée en plein eau.
J'essaie de faire un petit spot à la graine. J'amorce aux pombes avec deux maïs décollés. Bon, pour l'instant, hormis des brèbes, j'ai pas fait grand chose, mais bon. Si je fais un poisson en plein milieu, je serais vraiment refait. C'est le coin des communes là-bas. J'arrive. C'est chaud. Avec un joli petit montage. Montage qui va bien. Putain, de ce côté, il lui manque des écailles. Ouais. Ouais, compliqué. Moi, on le reconnaîtra, ça. Bonjour à Imoul. Valeur sûre. Évidemment. Moi, on le reconnaîtra, ça là. Quelques trous. Un beau poisson. Putain, celui qui lève des 25 plus comme ça là, c'est un bon. Ah ouais, c'est des costauds les mecs. Joli mémère, hein. Ça fait plaisir, hein. Putain. Elle est grassouillette. Depuis ce matin, j'avais pas revu de touche. Ça fait plaisir, il est 1h du mat. Sur la canne que je suis allé caler à 200 mètres là-bas. Elle m'a mis un sacré combat. Oh, belle mémère. Plaisir, hein. C'est vraiment pas laissé faire celle-ci. Quand c'est un petit montage Tiger équilibré, ça fait le taf. Deux derniers poissons, je les aurais fait sur la canne à 200 mètres. Heureusement, je l'ai foutu là-bas. Sur une petite descente de cailloux. Allez, zoom.
je vais à terre. Le petit nœud, bras d'arraché, tout simple. Et 3 retours. Indestructible. Ah, du coup on utilise un montage tout simple, un bras d'arraché avec un petit sinker, histoire que quand on pêche ça file détendu, ça se plaque, un clip plomb tout simple, bien bloqué sur la graffe, un petit peu de lien fluoro avec le montage qui casse tout là pour la session à l'ancienne. Tu mets un manitou. C'est un beau poissonné ça. Ouais, mais mignon. Voilà, un petit changement de technique. Ça paye. Exact, mais. On avait bien besoin parce que c'était le calme plat depuis un petit moment là. Ouais, ça devenait compliqué de ce côté. Ouais. À croire que les poissons ils ont carrément dédaigné les graines de ce côté. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Les shots comme ça repartent bien. Ouais. Bombarde. Bon, alors on arrive à terme de cette session. La dernière nuit, elle aurait été vraiment compliquée comme sur la dernière session sur l'autre bout du lac là-bas. Dernière nuit, on fait un poisson, là pareil, un poisson dernière nuit. Moi depuis hier après-midi, j'ai pas eu une seule touche, à part ma canne à 200 mètres qui a bipé 2-3 fois dans la nuit, mais ça partait pas, je sais pas ce qui s'est passé. Après ma deuxième canne dans le passage, elle a pêché 24 heures sans que je la touche et il s'est rien passé. Et voilà, du coup il y a le blanc qui a fait quand même un poisson ce matin, là, cette nuit, sur sa bordure là, avec une petite pop-up décollée. On prenait tout à la Tiger au départ et par la suite il fallait décoller des montages pour continuer à faire du poisson. Le blanc il fait 3 ou 4 poissons je crois avec des pop-up. Moi j'en fais une avec un montage décollé. Là, à chaque fois au bout de 3 jours les poissons hein, ils commencent à avoir la gueule fermée, ça devient compliqué. En plus on a chopé 3 jours de Mistral. Alors, il y a encore heureusement la nuit, il fait pas trop mauvais. Voilà, bon sinon c'est quand même sympathique, on a fait une petite pêche à la graine en faisant vraiment des toutes petites assiettes avec un peu de maïs, un peu de Tiger, mais c'est tout. Et ça a l'air de fonctionner comme ça. On aurait fait plus de poissons en pêchant comme ça qu'en pêchant à la bille sur notre dernière session. Bon, on pêchait pas pareil. Là, on pêchait vraiment en extrême bordure, à ras des obstacles, sur du dur, sinon il se passe rien du tout. Donc voilà. En tout cas, on s'est régalé, c'est le principal. J'espère que vous vous êtes régalé à regarder cette petite vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Pour une nouvelle vidéo, espérons que ce soit sur le Rhône pour changer un peu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à nous suivre. Et je vous dis à une prochaine. Ciao !
Bon bah ce sera pas arrêté à 13 poissons au final. Et plus ça va, et plus les poissons sont petits.